Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous tous. Nous bien contents de retrouver journée lundi à jeudi à ce 30 janvier 2023. Nous connaissons gagné et depuis ça passé, les policiers ont gagné environ 10 policiers dans moins que 3 jours qui mourent. Il y a 6 qui mourent dans la zone Niankou, il y a 4 qui étaient morts. Et Pétionville, sans compter plusieurs autres qui mourent déjà et dans le cadre de travail. Mais ça a provoqué pendant ce moment un mouvement levé campé. Je dis à ce lundi, et 3 jours environ depuis après le mouvement policier. Mais il y a un gros bruit qui était annoncé à bien grève, bien que grève n'a pas vraiment annoncé de façon officielle. Mais à travers les réseaux sociaux, il y a une grève qui était annoncée et qui était dit que l'activité même y a bloqué. Donc c'est dans ce souci ça nous-mêmes, nous portons figuilari à pour journée lundi 30 janvier. Donc nous avons le fort vivre comment la riporte au prince capitale haïtienne lui-même l'élevé matin. Et nous déjà, si on est plusieurs zones, nous passons champ de masse, là nous sous la zone là. Nous pourrons regarder comment et cette institution, l'école surtout, comment l'activité est là. Donc nous capables, nous pourrons arriver dans Kafou Samida. Et l'arrivée dans Kafou Samida, nous pourrons vivre et comment et Kafou a levé. Et nous pas vraiment remarqué élève l'école et qui prend la rue pour aller l'école. Mais nous avons un trafic et de façon timidement. Et un trafic, un camionnette eux-mêmes qui est dans la rue. Et qui a fait service. Mais cependant, nous pas vraiment ouais, les parents qui ont mené, et si nous l'école, nous avons quelqu'un qui est pris en route, qui prend le travail, et il y a un qui a pied, je nous regarde là, mais il y a tout qui a fait une machine qui prend le travail. Mais cependant, nous connaissons généralement, et depuis l'école va fonctionner, mais ça, c'est un gros coulier. Est-ce que il y a des gens ou bien des entités ou bien des instances qui peuvent réclamer? Et deux journées de grève, ça a été annoncé sur les réseaux sociaux. Pendant la journée, nous ne pouvons pas, mais je nous dis qu'il n'y a pas vraiment de grève qui est annoncée formellement. Mais cependant, nous permettons, dans le souci pour nous former, pour nous permettre de connaître comment la capitale haïtienne lui-même l'élever, nous faisons le devoir bonnet pour nous porter et vidéo la RIA pour nous faire vivre comment la capitale haïtienne l'élever et matin. Nous connaissons un problème gaz là qui toujours a fait valer de l'île. Là, c'est une ligne côté en pile, monde toujours vient acheter et pain. Donc, gaz là, toujours pas gain et gaz qui est disponible en quantité et non pour vous. Ça qui était un autre problème encore pour la population haïtienne. Donc, c'est toujours et gaz que nous avons acheté à terre. Et quelques rangs pour le gaz, c'est toujours avec en pile. Bourara en bas. Donc, c'est pour ça, journée lundi, en lui-même, l'élevé et dans la capitale haïtienne. Nous connaissons une pile zone qui était impraticable par rapport à la gang armée même qui a ferraillé dans la zone Sahara. Donc, la capitale haïtienne, mais comment l'élevé, journée lundi 30 janvier 2023. Donc, il y a une pile monde qui pensait et grève là, lui pas prendre, mais c'est pour raison ça. Nous sommes capables de voir le monde pas voir les gens de l'école matin parce que nous ne connaissons pas à qui ça, mais la journée lui-même lui a abouti parce que nous connaissons les policiers eux-mêmes par rapport au mouvement à faire et les amener en pile mouvement levé campé. Donc ça, lui a fragilisé et occasionné les gens qui sont victimes, c'est dans ce sens ça, mais les parents eux-mêmes n'ont pas pris la chance de voir. Et si vous avez l'école, mais cependant, j'en ai oublié à amis internet ou carré et en pile machine, camionnette surtout, et bien prend l'arrière. Donc, nous sommes dans la zone là, nous avons arrivé 4 fois encore, nous avons coupé au niveau d'Elma pour nous faire vivre ou bien permettre comment certaines zones levées dans l'air métropolitaine, lui-même l'y levé et pour journée lundi. Et 30 janvier, mesdames et messieurs. Donc, continuez à faire confiance, abonnez, partagez, pour toujours être connecté à tout ce qui a passé ici en Haïti et tout le monde qui a regardé nous à l'étranger, tout, pour toujours être connecté à ce qui a passé dans le pays parce que
et avant tout vous sont citoyens et vous toujours gain envie pour connaître ça qui a passé dans le pays. Donc c'est dans souci ça nous permettre nous porter et live ça pour nous faire vivre comment ça y est, comment capitaine là nous mené. Ça c'est quelqu'un qui va travailler et donc qui pas vraiment machine ou bien qui pas une machine qui est obligé à aller à pied. Donc et trafic là Lyon j'en timide contrairement à Jean Saïe mais en temps normal, les jeudi, lundi, gros jeudi, lundi, toujours qu'il y a pile en ville de monde dans la rue, toujours qu'il y a pile et de monde qui. Voilà, donc nous allons regarder et qu'à fois on a privé là, qu'à fois on connaît. Et généralement, les mouvements, les vétérans, les qu'à fois ou qu'à fois résistance. Et donc, nous avons regardé quelques parents qui accompagnent et actifs monde là, qui ont mené à l'école. Donc, nous arrivons à la fois là, mesdames, messieurs, mais comment la fois au port, lui-même, lever, mettre traversé, nous allons au niveau station, côté qui gagne cette calicio. Et donc, mais la fois au port, mesdames, messieurs, là, c'est la fois au port, nous arrivons là, et mes côtés, côté en pile machine dans la fois au port, mais nous pas trop remarquer les élèves en uniforme, sinon, quelques rares élèves qui prennent route là, mais nous avons en plus de camionnettes répondre présent. Et ça, c'est bus et qui fait provinciaux et qui allait au Cap surtout. Donc, nous même là. Donc, nous avons pris 4 fois au port. Nous avons pris dans l'espace côté qui généralement des syndicalistes et qui est responsable machine et secteur de transport. Donc, nous allons regarder est-ce que nous allons parler avec eux et sous situation. Ça comment l'aria ou comment capital la lui-même il levé pour matin le 30 janvier. Donc nous regardons le phénomène gaz dans mer il continue mesdames messieurs phénomène gaz dans mer. Combien gaz à faire monsieur? Donc ça est phénomène gaz à terre. Et qui retourne encore, nous allons sur la Kathmandu est-ce qu'il y a des Kathmandu nous est-ce qu'il y a pris gaz. Nous avons joué quelques syndicalistes pour nous faire un petit parler et sur la situation ça, journée lundi. Allez. Là nous avons une station qui est reliée et zone. Allez. On arrive qui a les stations à mener en pile côté. Il y a le plateau central tout. Et il mène Bonaïve, il mène Inch et station machine ça. Donc en pile en pile, ouais qui côté ni là. En pile mon ouais qui côté ni. Et dans Kafoua encore, c'est Kafoua encore nous y est toujours. Mais en pile mon qui compte bien prendre machine Kafoua encore qui est en ouais côté ni. Station ça l'aller pour des points tout l'aller inch l'aller Bonaïve. Donc c'est comme ça les journées lundi 30 décembre levé pour matin. Allez, donc la fois vivre station ça dans et Kafoua encore qui mène Bonaïve inch au Cap et tout, mais ça c'est monde qui a voyagé et son station qui relie Grand Nord généralement et nous connaissons et Portail c'est Grand Sud qui est dans la zone de sa station et là nous dans la station Grand Nord mais nous avons une pile d'activité malgré et une grève qui était annoncée pour aujourd'hui lundi à bien que nous disons et annonce pas de fait formellement mais cependant et nous des carrousel à travers les réseaux sociaux et une grève qui était annoncée.